Amen, peuple de Dieu. Eh, Israël, le peuple israélite, je vous dis merci de m'écouter ce que je vais témoigner aujourd'hui selon le jus révélé par Dieu. Moi, c'est la sœur Monique Menga. Je suis au Gabon. J'étais beaucoup malade. Beaucoup malade. Personne ne pouvait me soutenir. Je n'avais personne. Il me restait seulement que la mort. Je partais à l'hôpital. On me dit que j'ai le myctimium dans le ventre. Maintenant, quand je pars à l'hôpital, on me donne les paquets de médicaments. Je bois. Maintenant, le jour qu'on devait m'opérer, voici l'homme qui vivait avec moi, il était en déplacement. Je pars chez mes cousins et cousines, ils me chassent. Donc, le jour qu'on devait m'opérer, donc je passe à l'hôpital général, tous les matins, je partais à l'église universelle. Là-bas, on faisait le culte très matinal. Donc, c'est comme ça, là, en observation, comme elle regardait quand j'ai saigné là. Je ne sais pas comment Dieu m'a gardé. J'ai pesé maintenant que 30 kilos. 30 kilos. Quand je pars à l'église universelle, voilà, je descends. Le jour qu'on m'a dit que demain, on va m'opérer maintenant, je sors pour aller maintenant voir un cousin à Ondro. Pour lui dire qu'on va m'opérer, je n'ai personne pour venir me garder à l'hôpital. Envoie quand même ta femme pour venir me regarder. Donc, c'est comme ça, là, je descends. Je vois quelqu'un qui me dit, regarde là-bas. Je ne voyais même plus, je marchais à peine. Les yeux, là, je ne voyais pas. Je marchais comme si j'étais dans le noir. Alors, il fait jour, mais je marche, c'est le noir. Donc, j'attends une voix qui me dit, regarde là-bas. Donc, je passais de l'église universelle pour descendre pour aller prendre le taxi à gare routière. Donc, quand je descends comme ça, là, c'est là où j'attends une voix qui me dit, regarde là-bas. Quand je regarde comme ça, là, il y avait deux personnes assises. Maintenant, je dis, il y a quoi là-bas? Au fond du cœur. J'étais seule, mais j'attends seulement une voix qui me dit comme ça. Moi aussi, je me suis arrêtée d'abord pour regarder. Je traverse. Dès que je traverse, je rentre aussi. Dès que je rentre comme ça, là, je trouve les gens. On me dit, c'est l'église. C'est comme ça, là, je passe par chez les moutilles, là. Ils me prophétisent, ils me parlent de la parole. Après, ils m'envoient, c'est les Moussakoli. Moussakoli me prophétise après la prophétie. M'a dit, ça va aller. Tu es au bon endroit. Ça va aller. On m'a dit, comme je ne comprenais pas bien, le Moussakoli m'a dit de prendre le jus. Donc, je comprenais, il disait le jus. Le jus, il dit que non, c'est quoi le jus? Oh, je suis allé payer les fruits pour me fabriquer le jus. Je suis allé prendre les ananas, les cocos, quoi, j'ai amené tous ces sacs comme ça. Là. C'est là où Mosbeve me dit, c'est pas comme ça, tu as mal compris. Donc c'est comme ça, il me dit que non, le jus, c'est pas comme ça là. Nous-mêmes, nous fabriquons le jus ici là, qu'on t'a donné, qu'on t'a révélé. Donc c'est comme ça là, si j'ai dit, donnez-moi le jus en question. C'est comme ça que je prends le jus. Les miomes là bougeaient dans le ventre comme les enfants. Bungolo. J'avais même deux doigts là aussi qui ne marchaient plus. J'ai les doigts, mais ça ne fonctionnait plus. Les deux doigts là, je n'en avais plus. Voici, avec le jus, j'ai retrouvé mes doigts. Ils ont commencé à quitter comment? Avec les boules de sang ici, là. Voici, lui-là est déjà propre.
Mais l'autre là, il y a encore un morceau de bout de sang qui reste là. Oui. Donc c'est comme ça là, je suis rentré à Elo Benanda. Les gens qui disent que non, le jus révélé par le par Dieu là, c'est un jus qui tue, c'est faux. Alors que moi j'étais déjà décédé. Je pas chez mes parents. Les autres me disent que non, il faut aller que je pas mesurer les mètres à Gabosep pour qu'on me fabrique le cercueil. Mais voilà moi aujourd'hui là, c'est le jus qui m'a rendu comme ça. Les miomes qui étaient là, les métiers miomes ne sont plus là. Il n'y a plus. Ça ne bouge plus. Et j'ai repris mon poids. Là, c'est parce que j'ai manque de. Je suis stressée un peu tout récemment, là, qui sont partis encore me gaspiller le nom avec ma photo pour aller pratiquer. Sinon, je suis en forme. Mais je remercie pour faire connaître Dominique pour son bon cœur. S'il n'avait pas le bon cœur, Dieu ne devait pas lui révéler ce jus-là. Je lui remercie. Son cœur est humble. Parce que les choses comme ça, là, Dieu ne peut pas donner ça à n'importe qui. Là où je suis là, est-ce que Dieu peut me révéler ça? Parce que je ne suis pas humble. Mais s'il a révélé ça, c'est pour dire que non. Il est bon. Son cœur est propre. Et j'ai dit aussi aux médecins de lui remercier. Il y a beaucoup de médecins qui sont passés à la barre en disant qu'ils ont fait la chirurgie mal. En temps, ils ont bien fait, mais c'est les choses mystiques. Moi, là, même si on m'opérait, je devais mourir. Mais il est venu soulager les médecins. Beaucoup de médecins sont passés à la barre en disant qu'ils ont fait le mauvais travail, alors qu'ils ne sont pour rien. Voici le jus est venu aider aussi les médecins pour qu'ils ne tombent plus dans les pièces de Satan. On nous balance les maladies, mais le médecin passe faire la chirurgie. On va dire que le médecin a fait le mauvais travail, alors que ce n'était pas ça. Pour moi, personnellement, si je m'opérais, forcément, je devais mourir. Mais voici, je ne suis pas morte. Pourquoi? Le jus révélé par Dieu auprès du prophète Connecone Dominique m'a aidé. Voici, j'ai retrouvé mes doigts qui étaient déjà mangés. Voici, les myomes sont partis. Les fissures nocturnes qui m'ont balancé, je n'en ai plus. Et je suis là, tranquille. Maintenant, je voulais dire que non, soutenons cet homme-là, nous tous. Tout le monde entier soutenait lui. Le Dieu qu'on cherche, c'est le qui encore. Ça, c'est un Dieu. Mais voilà. Voici maintenant, aujourd'hui, là, le jus révélé par Dieu auprès du prophète Connecone de Dominique, avec son bon cœur là, a soulagé beaucoup de personnes de ne plus passer en opération. Donc c'est un peu ça que j'ai demandé à tout le monde de soutenir cet homme-là. Tout ce qu'il fait est bon. Amen.